Eh bien, coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo haul. J'ai commandé des articles le mois dernier sur AliExpress et j'en ai déjà reçu quelques-uns. Je ne les ai pas tous reçus au moment où je vous fais cette vidéo. Ce qui va se passer, c'est que je vais tourner cette vidéo sur plusieurs jours au fur et à mesure de la réception de mes articles. Mais là, pour l'instant, je vais vous montrer déjà ce que j'ai reçu. Alors, j'ai pris chez AliExpress de la dentelle. Vous connaissez mon amour pour la dentelle, pour les rubans. J'adore ça, je suis totalement fan. Et dès que je peux, j'en commande donc sur leur site parce que franchement, je trouve que c'est pas cher. Et puis, en général, je dis bien en général, attention, puisqu'il y a des personnes qui ne sont pas satisfaites d'AliExpress, il y en a d'autres qui, comme moi, sont en général satisfaite. Il m'arrive d'avoir aussi des moments où je ne suis pas très contente. Donc il y a justement un article là que je vais vous montrer pour lequel je suis déçue, mais ça c'est de ma faute. Bon, bref, pour l'instant je voudrais vous montrer la dentelle que j'ai reçue. Alors déjà, j'ai reçu une magnifique dentelle que j'ai commandée en 4 mètres au prix de 3,20 €. Alors, je vous donne les prix, comme ça au moins vous les aurez. Et j'ai serré, je dis bien, j'ai serré de vous mettre les liens en barre d'infos. Mais ce n'est pas évident, vous savez que parfois ces liens ne fonctionnent plus ou alors les articles ne sont plus disponibles, donc il n'y a plus de liens qui existent. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Et puis parfois vous pouvez tomber sur un vendeur qui vend exactement le même produit pour moins cher. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop vous donner les liens sur AliExpress, parce que ça peut varier dans les prix. Et moi, à l'heure actuelle, je l'ai peut-être payé 3,20 € les 4 mètres. Mais si ça se trouve, vous allez trouver encore moins cher le même produit. Voilà, donc vous voyez, c'est de la magnifique dentelle. J'adore, avec donc un ruban. Elle est comme ça. Ça, pour mettre sur mes mini-albums, ça va être super joli. Si je l'avais reçu plus tôt, je pense que je l'aurais mise sur le mini-album Orchids and Cats. Parce que franchement, ça aurait été vraiment de toute beauté. Oui, désolée pour mes mains, si vous voyez des taches. C'est mon stylo noir qui a fui. Et comme j'ai pas de bol, j'ai mis les mains dedans. Voilà, tout simplement. Donc franchement, magnifique dentelle, 4 mètres. Donc j'ai de quoi faire et je pense que je vais l'intégrer sur un mini-album très prochainement. Ensuite, donc j'ai acheté des rubans. Alors ce genre de rubans que je n'avais pas. J'ai beaucoup de rubans, mais ceux-là je n'en avais pas. Pour 1,56 €. Et dedans vous avez... Par contre c'est pas marqué, mais je crois qu'il y a 5 mètres. Si mes souvenirs sont bons. Donc 1,56 € les 5 mètres. Franchement, c'est... je vais pas dire donné, mais presque. Alors, je les ai pris. Déjà, je vais vous montrer ce que c'est comme ruban, hein, avant de vous montrer les couleurs. Donc voilà, ce sont des rubans comme ça. Ils sont vraiment super beaux. Voilà, donc en forme de feuille un peu. Avec les côtés donc argentés avec... on dirait qu'il y a un petit peu de paillettes. Donc, j'ai pris celui-ci. Je ne vais pas vous les enlever des sachets, sinon ça va faire énormément de bruit. J'ai pris celui-ci en doré. Celui-ci en noir avec les bords dorés. Et enfin, celui-ci blanc avec les bords dorés. Voilà, même pour des créations de Noël, franchement, ça vaut le coup. Donc, je vous dis 1,56 €, honnêtement, voilà. C'est ce genre d'article qui me plaît vraiment chez AliExpress. Ensuite, donc, voici mon flop, la chose dont je suis la moins satisfaite, mais ça, je vous dis, c'est de ma faute. J'ai payé cette petite merveille, ce sont des plaques aimantées pour mettre mes dailles dessus dans mes pochettes. Bon, la taille est bonne, hein. La taille est bonne, mais je pensais que c'était du A4. J'avais cru lire le format A4 sur la description du produit sur le site, mais manque de bol. Voilà, donc il y en a 10 à l'intérieur, 7,03 €. Alors, je sais quand même que ça coûte cher, mais j'ai trouvé moins cher ailleurs. Donc, pensant que c'était du format A4, pour 7 €, je me suis dit, les 10, ça vaut le coup, je les paye encore moins cher que sur Amazon. Donc, j'étais toute contente. Et quand elles sont arrivées,
Je me suis dit oui, bien sûr. Donc je suis allée revérifier sur le site parce que je me suis dit je vais pas me faire arnaquer quand même, on sait jamais. Mais non, 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 c'était bien le format A5 qui était à 7,03 €. Je me suis trompée de format. Donc bah c'est pas grave. De toute façon le format A4 était vendu avec des pochettes plastiques qui ne m'auraient absolument pas servi puisque moi j'ai mes propres pochettes pour mettre mes dailles. Donc c'est pas un souci, aucun regret, hormis le prix évidemment, mais je ne me ferai pas avoir une deuxième fois. Donc bah, ça va me dépanner en attendant parce que j'en ai plus, mais je ne recommanderais certainement pas les 10 plaques aimantées en format A5 à 7,03 €. Je pense que je vais les recommander sur Amazon. Au moins ça arrivera plus vite et puis je les paierai moins cher les 10. Voilà. Ensuite, j'ai acheté donc encore des rubans, encore et toujours des rubans. Donc c'est un petit peu le même style que ceux que je vous ai montrés là. À 76 centimes. À l'intérieur, il y a 2 mètres. Donc 76 centimes les 2 mètres. J'ai pris toutes les couleurs qui me faisaient plaisir. Il y en avait d'autres, hein, mais voilà, je vais pas non plus acheter des tonnes et des tonnes. Donc, je vais vous montrer dans le sachet. Voilà, 76 centimes. C'est ce genre de ruban magnifique. Moi, je suis fan totalement de ces rubans. Et ça, c'est pareil pour mes mini-albums, mais ça va juste être magnifique. Alors honnêtement, 76 centimes, hein, pourquoi s'en priver? Donc j'ai pris un paquet comme ça, j'ai pris un paquet comme ça, en rouge. J'ai pris celui-ci, un beau gris, gris qui fait un petit peu prune d'ailleurs, un magnifique marron. Un rose comme ça, un peu plus clair que celui que je vous ai montré. Un vieux rose. Un bleu. Un autre bleu. Celui-ci en mauve, évidemment. J'étais obligée. Le blanc. Et enfin, donc, le orange. Voilà, un orange très très doux. Donc, 76 centimes les 2 mètres. Ensuite, pour le ruban, encore, j'ai pris ceci. Chez le même vendeur que ceux que je viens de vous montrer à l'instant. C'est exactement le même vendeur. Pour 66 centimes, j'ai pris de la dentelle. Alors, une superbe dentelle. Un petit peu rigide, mais une dentelle élastique. Vous savez, un petit peu comme la dentelle que l'on trouve pour les jarretières. Celle avec lesquelles on fait les jarretières. Voilà, donc elle est élastique. Alors, je me dis que évidemment, même pour fermer un mini-album, faire un nœud et puis fermer à élastique, ça va être génial. Voilà, donc pour faire des fermetures d'albums, moi, je pense que c'est très bien. Alors, donc j'ai pris cette couleur-là, donc qui est un peu bleu-verte. J'ai pris une couleur rouge. J'ai pris une bleue. Une marron. Et enfin, une rose. Et à l'intérieur, je crois que vous n'avez qu'un mètre. Il me semble, oui, vous n'avez qu'un mètre. Même pas un mètre, je crois bien que c'est 70 centimètres, il me semble. Je crois, alors attendez, je vais regarder par curiosité, par simple curiosité, sans tirer dessus. Donc 40, ouais, 80 centimètres vous avez, allez. Hein, sans vouloir être trop, 80 centimètres, donc 66 centimes. Moi, je pense que c'est sympa. Voilà, même si il n'y en a pas beaucoup, on n'a pas besoin de beaucoup pour faire une fermeture d'album. Un morceau comme ça peut faire une fermeture d'album sans aucun problème. Et encore, ce serait même presque de trop. Donc, franchement, impeccable. Et puis, donc, dernier article que je vais vous montrer pour aujourd'hui, ce sera des dailles. Alors, vous savez que ma fille est en CAP coiffure actuellement. Et elle avait envie que je lui fasse une petite création avec des dailles coiffure. Or, je ne trouvais pas de dailles coiffure. Et par hasard, je suis tombée sur ces dailles-là pour la coiffure. Donc, et je me suis précipitée dessus. Donc, 3,83 €. Le set de tous les dailles. Je vais vous montrer les découpes aussi en même temps parce que je les ai faites. Voilà, donc, vous avez le sèche-cheveux, les peignes, les ciseaux.
la lame de rasoir, le rasoir, voilà. Donc vous avez vraiment tout l'attirail. Et ici, vous avez même une moustache. Et vous avez le petit pchit d'eau. Voilà. Donc j'ai fait mes petites découpes qui sont, ma foi, plutôt sympathiques. Et honnêtement, ils découpent super bien. Alors voilà, vous voyez déjà rien que la lame de rasoir, elle est pas mal. Donc je vous les mets ici, hein. Je pense que vous les verrez correctement. Pas la peine que je vous les montre tous en détail. La moustache. Là, on a le ciseau. Par contre, le dail, c'est un dail qui est coupé en deux. Donc, il faut qu'on forme le ciseau ensuite. Donc voilà, vous voyez. Voilà. Et puis, il suffit de former le ciseau après. Le sèche-cheveux, qui est plutôt pas mal, il est très grand. Et voilà les peignes, le rasoir. Et puis ici, on a le spray. Voilà donc pour ce dye qui est, ma foi, plutôt sympathique. Et puis, eh bien écoutez, ils m'ont mis un petit cadeau avec. Franchement, j'ai trouvé ça trop sympa. Un petit cadeau d'un dye qui est super en plus. Un petit dail d'une maman avec sa petite fille qui donne la petite fille donne un petit cœur à sa maman et c'est marqué mom, donc qui veut dire maman en anglais en dessous. Et la découpe est plutôt jolie. Donc la découpe, ça vous donne ça. Voilà, donc franchement, très joli cadeau, je suis très contente. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais vous montrer les autres articles à la suite de la vidéo. Donc ne quittez pas la vidéo, vous avez la suite puisque je vais tourner un petit peu au fur et à mesure de la réception de mes articles. Et bien, on continue pour la suite de mes achats AliExpress. Nous sommes un autre jour. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, je ne filme pas le même jour puisque je reçois mes articles au fur et à mesure. Dès que je les reçois, je vous fais la petite partie de vidéo de ce que j'ai eu. Et puis ensuite, comme ça me permet de les utiliser sans trop attendre et de pouvoir les ranger aussi. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je vais vous donner les prix, hein. Donc pour 2,20 €, je crois qu'il y a 10 mètres. Je ne suis absolument pas sûre de ce que je vous avance, mais je pense qu'il y a 10 mètres. J'ai acheté une bande, donc un rouleau de strass, comme ça, avec des cœurs et puis des tout petits strass. C'est un rouleau que vous pouvez découper comme vous en avez envie. Donc ce sont des petits strass qui sont montés sur des petits fils d'argent. Alors moi, j'ai pris la couleur argentée. Je les trouve vraiment trop beaux. Et donc, je peux utiliser indépendamment les petits cœurs si j'ai envie, ou alors les petits points, ou alors je peux utiliser le tout. Enfin, voilà, c'est à découper selon nos envies. Donc, franchement, je suis très contente parce que pour 2,20 €, honnêtement, je trouve ces strass, cette bande de strass, enfin, ce rouleau de strass, du moins, vraiment très beau. Je crois qu'il existe aussi, mais je ne suis absolument pas sûre, je me rappelle plus, en couleur dorée. Donc ça, c'est à voir sur le marchand. Je vous mettrai les liens en barre d'infos de toute façon. Ensuite, pour 82 centimes l'unité, j'ai acheté ce genre de petites choses. Donc ce sont des petites étoiles et des petites boules qui sont montées sur un fil de pêche, tout simplement. Pareil, vous découpez où vous en avez envie pour mettre dans vos créations. Ça peut être sympa à mettre sur les bijoux d'album et ça se présente comme ça. Voilà, donc j'ai pris la couleur dorée et j'ai pris la même chose en couleur argentée. Donc il y a plein de paillettes, ça met plein de paillettes partout par contre. Ensuite, pour 3,32 €, j'ai pris ce genre de choses aussi. C'est donc une bande de perles avec des strass. C'est plat à l'arrière, vous pouvez couper où vous voulez. Sans aucun problème, et vous pouvez donc coller ça facilement sur vos créas. Alors, je sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a 2 mètres ou 1 mètre. Non, je crois qu'il y en a 2 mètres ou 1 mètre 50, quelque chose comme ça. Et ça, vous trouvez ça sur AliExpress, chez les vendeurs qui font des apprêts pour les bijoux. Voilà, mais vous savez que ce genre de choses peut facilement servir pour le scrap. Donc voilà, pour ça. Ensuite, pour 71 centimes l'unité, j'ai acheté chez des petits rubans comme ça. Alors, je suis un petit peu déçue par cet article parce que les photos sur le site d'AliExpress ne donnent pas du tout la même chose que lorsque vous les avez en main. Je trouve que sur AliExpress, les photos sont superbes, les couleurs sont magnifiques.
Bon, j'ai envie de vous dire, hein, c'est un petit peu comme sur tout site internet, hein, ça vous paraît très joli, puis à la réception, vous pouvez être un peu déçu. Alors, je suis déçue sans l'être. Je suis contente parce qu'ils sont quand même beaux, mais je suis un petit peu déçue parce que la couleur n'est pas du tout comme je l'avais espéré sur les cinq rouleaux de ruban. Alors, ce sont des rubans qui sont en velours. Alors, j'ai pas trop fait attention, moi, le velours, c'est pas encore ça, hein. Je vous l'ai déjà expliqué, j'aime pas trop toucher le velours, mais celui-là, ça va. Donc, il y a des paillettes dessus, des paillettes bah, qui s'enlèvent aussi, hein. C'est dommage parce que je pense qu'au fur et à mesure du temps, les paillettes vont se sauver. Mais bon, après, je vais voir, hein. À moins peut-être de vaporiser de la laque dessus pour les garder intactes. Donc, ce sont des rubans, je crois qu'il y a 5 mètres dedans. Si mes souvenirs sont bons, à peu près, et du velours avec des paillettes dessus. Donc voilà ce que ça fait. Bon, bah, c'est quand même de très très beaux rubans. Donc voilà pour le vert. Ensuite, on a un bleu comme ça. Alors le bleu, je suis vraiment déçue parce que sur la photo, il n'y avait pas cette bande de doré et de marron qui apparaissait. Et c'était tout bleu en fait. Et là, ben, c'est un petit peu la déception. Si j'y pense, je vous mettrai une petite capture d'écran du site AliExpress avec la photo de tous les rubans. Vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même de ce que je vous dis. Donc voilà pour le bleu. Le bordeaux, pareil, le bordeaux, il y a des couleurs qui ne sont pas du tout visibles sur la photo du site. Le doré, on va le doré par contre, nickel. Et enfin, le violet. Le violet, pareil, je suis un petit peu déçue. Mais bon, voilà, donc ça c'est les risques hein, quand on commande chez AliExpress pour des prix dérisoires. C'est les risques quand on reçoit les articles. On a toujours moyen de les renvoyer en disant qu'on n'est pas satisfait de la couleur. Mais bon, pour quelques centimes, j'ai pas du tout envie de m'amuser à renvoyer tout ça. Et puis franchement, les couleurs sont pas si horribles que ça par rapport à ce que je m'attendais. Donc je garde. Ensuite, donc, je vais prendre ma petite panière à côté de moi. Ensuite, j'ai commandé des brads pour 2,05 € l'unité, donc les brads. Alors, je crois qu'il y en a 20 dans chaque paquet, je ne suis pas sûre. Ce sont quand même de très très gros brads. Alors là, par contre, je suis vraiment contente parce que je m'imaginais des brads plus petits, ils sont vraiment quand même très gros. Donc, ce sont des demi-perles montées sur le socle qui est ciselé tout autour. Voilà, donc j'ai pris cette couleur un peu bronze avec la perle blanche. Et j'ai pris la même chose toujours dans les tons bronze avec la perle chocolat sur le dessus. Donc, vous voyez, ils sont quand même pas mal, hein. Ils sont quand même pas mal gros. Ensuite, j'ai acheté des flipettes pour mettre dans mes mini-albums. J'en ai quelques-unes, mais deux couleurs. Et là, j'ai voulu prendre du noir et du blanc transparent pour pouvoir les mettre dans n'importe quel mini-album. Donc, ils sont petits. Ah, je suis un petit peu déçue. Ils sont petits. Ils sont très larges. Ils sont en plastique, par contre. Voilà, vous voyez. Mais ça fera l'affaire dans les mini-albums. Donc 1,77 € les 100. Donc on a 50 noirs et 50 transparents. Ensuite, j'ai pris des œillets. Alors là, on a des œillets par paquet de 100 œillets à chaque fois. C'est du 4 mm. Vous avez le choix sur le site de prendre la largeur que vous voulez. Il y a du 4 mm, il y a du 2,5, il y a du un petit peu plus, je crois. Donc moi, en général, je prends toujours du 4 mm. Et je les ai pris ici couleur cuivrée. Et puis ici, c'était un cuivré, mais un peu plus noir. 1,70 € les 100. Donc franchement, ben voilà. J'en avais besoin. J'en ai presque plus. Donc ça suffira vraiment pour ce que j'ai à faire. Et honnêtement, j'ai déjà testé beaucoup d'œillets comme ça d'AliExpress et à chaque fois, j'en suis pas déçue. Donc, j'espère que ça va continuer. Ensuite, j'ai pris des boutons. Donc, les 10 boutons, 86 centimes. Alors, je vais essayer de vous les montrer comme ça au travers du sachet parce qu'ils sont tout petits et j'ai peur de les faire tomber. Alors, c'est pareil, ce sont des petits boutons, vous voyez, avec
avec la petite attache comme ça au dos. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et là, il y a un petit mix de tout. Donc, je ne savais pas exactement ce que j'allais recevoir. Ils sont plutôt pas mal. Il y en a un qui est vraiment très, très beau. C'est une fleur. Je vais essayer de vous la montrer. Elle est vraiment très belle. Voilà, une fleur en métal. Vous n'allez pas forcément bien voir. Je suis désolée. Et si je les sors du sachet, c'est tellement petit que j'ai peur de les faire tomber et de pas les retrouver. Donc, 86 centimes les 10. Ça, c'est quelque chose que j'ai voulu tester. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris que 10. Et puis, ce sont pas des choses qui me servent énormément. Donc, voilà. Je vais vous montrer d'autres brads. Alors, ici, pour 71 centimes les 20, j'ai pris des brads en cœur. Ils sont en métal. Donc, j'ai pris des cœurs blancs et des cœurs noirs. J'ai voulu faire un petit mix, mais je crois que vous pouvez prendre que des cœurs noirs si vous en avez envie, ou que des cœurs blancs, je me souviens plus. Alors là, c'est même pas des cœurs noirs, pardon, ce sont des cœurs couleur chocolat. Donc, un beau cuivre, magnifique. Et donc, vous en avez 20 pour 71 centimes. Alors, j'ai acheté, pardon, en petite quantité parce que je veux tester d'abord. Et si jamais je les trouve bien, eh bien, j'en rachèterai d'autres beaucoup plus tard, hein, quand j'en aurai presque plus. En espérant que le vendeur soit toujours le même. Sinon, ça, vous avez plein de vendeurs pour les avoir. Ensuite, pour 80 centimes les 20, j'ai pris des brads comme ça, de différentes couleurs. Donc, il y a des bleus, des jaunes, des roses, des verts. Donc, ce sont des brads avec des demi-perles montées donc sur une base en métal argenté. Voilà, comme ça. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je vais ramasser avant de le perdre. Ensuite, j'ai acheté beaucoup, beaucoup de dailles et un tampon, je crois, avec son daille. Voilà, donc j'ai acheté pas mal de choses. Et je m'étais dit, je n'achèterai plus de dailles ni de tampons chez AliExpress. Et en fin de compte, eh bien, je me suis aperçue que j'avais besoin de quelques dailles pour mes mini-albums. Et j'ai craqué sur d'autres dailles avec des petits chats. Donc voilà, vous allez voir beaucoup de petits chats dans cette partie. Allez, on commence. Donc déjà pour 2,71€, je vous ai fait les découpes. Alors je vous ai fait les découpes. Par contre, là je ne l'ai pas monté, mais je vous ferai un petit montage. Et puis j'ai pas encore séparé donc mes dailles. Normalement, il faut que je les sépare pour pouvoir avoir le petit objet que je veux former. Donc c'est un grand die que vous séparez, hein. Vous avez un tour, vous avez des hélices, vous avez une valise, vous avez un avion. C'est pour réaliser une valise. Si je peux, je vous mets une capture d'écran dans le coin de votre écran là, tout de suite, pour vous montrer ce que ça donne sur le site. Moi, j'essaierai d'en faire une prochainement. Alors voilà les découpes. Alors franchement, les découpes nickel. Alors pour 2,71€. Voilà, donc la petite valise est quand même assez grande. Je suis vraiment pas déçue. Je vais prendre un papier blanc pour vous mettre les découpes dessus vite fait. Donc les découpes ne sont pas toutes là, hein, puisque comme je vous l'ai dit, j'aurais dû séparer le die avant de faire ma découpe pour pouvoir former ma petite valise. Mais je vous montre les quelques éléments que j'ai réussi à récupérer. Déjà, ce sera déjà pas mal. Et voilà. Voilà donc déjà les quelques éléments. Donc vous avez vu, vous avez la valise ici que vous devez monter. Il y a toutes les petites pattes à coller les unes aux autres. Et normalement, je dois récupérer aussi ce genre de choses. Je dois récupérer aussi la valise. Normalement, elle doit pas être tout à fait comme ça. Vous voyez, là, j'ai la forme de l'avion et puis ça. Donc normalement, ici, il n'y a pas cette forme-là, donc faut que j'enlève les petits éléments. C'est dommage parce que j'aime bien poser ma plaque et tout découper en même temps, mais là, par contre, je suis vraiment obligée de supprimer tout ça. Donc là, c'est pareil, hein, normalement, vous voyez, vous avez le tour là qu'il faut que... C'est pas comme ça, en fait. Donc, je vous ferai peut-être un petit tuto vidéo avec le lien de l'article, ou alors je vous montrerai à l'occasion sur Instagram la photo d'une petite valise que j'aurai créée avec ce die. Alors, j'ai sorti une feuille noire pour vous montrer le reste, parce que j'ai fait beaucoup de découpes en blanc. Alors ensuite, pour 2,69€, j'ai acheté des petits chats, tout mignons. J'adore, ils sont trop choupinous. Donc déjà,
Voici le die. Et je vais vous montrer la découpe que j'ai réalisée donc avec ce die. Alors les petits yeux, donc la découpe est ici. Alors les petits yeux sont embossés. Au départ, je croyais que les petits yeux, on pouvait donc se détacher, puis on pouvait changer les couleurs comme on voulait, faire un petit montage. Et puis en fin de compte, j'ai découpé plusieurs fois, pensant que ma machine n'avait pas découpé correctement. Mais non, non, les yeux ne se découpent pas, ils sont juste embossables. Donc voilà la découpe. Alors, tous les dies que j'ai reçus ici, franchement, ils se sont tous très bien découpés, je n'ai eu aucun souci. Ensuite donc, alors là, petite déception, mais sans plus, pour 2,24€, j'ai acheté celui-ci. Alors je pensais qu'il était un petit peu plus grand, je pensais qu'il avait un format à peu près de 10 cm, mais non, il est assez petit. Alors, il mesure 7 cm sur 10 cm en comme ça. Donc moi, j'aurais préféré qu'il fasse 10 sur 10 ou voilà. Bon, bah écoutez, il est pas mal. Hein, on va pas non plus chipoter. Donc il est pas mal. Il se découpe très très bien. Donc voici le die et voici sa découpe. Alors ici, là je les ai pas gardés pour vous les montrer, mais tous les petits cercles qui se détachent, vous pouvez les récupérer. Et puis par exemple, enfin je vous ferai une petite carte hein, de toute façon. Puis par exemple, vous pouvez prendre votre die hein, d'une couleur et puis tous les cercles d'une autre couleur et les recoller dessus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très sympathique à faire. Quoi qu'il en soit, je vous ferai toutes les petites créations avec les dies au fur et à mesure. Ensuite, donc, j'ai pris, alors ça c'est pour ma fille, parce que ma fille souhaite que je lui fasse un cadre. Vous savez qu'elle est en CAP coiffure, et donc je lui ai pris des dies coiffure. Donc pour 2,20€, je lui ai pris la coiffeuse avec sa cliente. Donc, voilà le die, et voici la découpe, super sympa. Franchement, je la trouve vraiment trop chouette la découpe. Et je vais faire un petit cadre pour ma fille. Donc vous avez plein de choses comme ça sur AliExpress avec les métiers. Vous avez les mécaniciens, vous avez les bricoleurs, enfin vous avez plein de choses. Et moi j'ai trouvé plein de choses sur la coiffure, donc c'est pareil. J'en attends d'autres. Ensuite, pour 2,62€. Alors, les prix que je vous donne sont les prix avec frais de port inclus quand il y en a un. Donc, 2,62€, j'ai pris des petits hiboux, des petites chouettes. Je ne sais pas trop exactement. Voilà, donc un très, très grand die. Franchement, je pensais qu'il allait être plus petit. Et honnêtement, de bout à bout, il fait à peu près 14,5 cm. Franchement, c'est un die qui est très, très gros. Et la découpe est géniale, j'adore. Donc voilà le die et voici sa découpe. Ensuite, donc j'ai pris encore des chats pour 2,03€. Alors des petits chats, voilà, tout mignons, tout marrants. J'adore, franchement ils sont trop choux. Alors, je vais vous montrer donc le die déjà. Voilà, le die est comme ça. Et je vais vous montrer les découpes de petits chats. Alors, ils sont vraiment choupinous, ils sont très expressifs. Ils ont une tête, il y en a un qui sourit, l'autre qui fait un peu la tête, puis l'autre qui est très surpris. Et ils sont vraiment trop mignons, regardez. Personnellement, je les adore. Donc ça, c'est un achat coup de cœur que je ne regrette absolument pas. Donc vous allez voir, j'ai acheté plein de chats, comme je vous l'ai déjà dit. J'avais envie de faire des créations avec des chats, des cartes, etc. Ensuite, donc, j'ai pris des dies pour faire des bordures, tout simplement. Donc, j'ai pris de très, très gros dies. Alors, au début, je me suis dit, je vais tenter pour voir. Vu que j'ai Mademoiselle Toga en machine de découpe et j'ai la Big Shot aussi en grande machine. Donc, je me suis dit, ça devrait passer facilement dans la Toga. J'ai testé. Dans ma Big Shot, ben c'est une catastrophe. Et dans la Toga, la découpe est magnifique. Donc voici le die. Vous voyez, ce sont de très très grands dies pour 2,30€ quand même. 2,30€. Donc il mesure 15 cm sur 8 cm.
Et la découpe, ça vous donne ceci. Donc la découpe, c'est pareil. Elle se découpe comme ça. Et après, vous n'avez plus qu'à, si vous le souhaitez, vous enlever, voilà, vous enlevez ici. Et ça vous fait votre découpe sans le tour. Ah, vous voyez. Et franchement, ça s'est découpé nickel. J'ai eu aucun souci de découpe. Et les petits morceaux se sont enlevés facilement. Donc 2,30€. Franchement, à ce prix-là, moi j'achète. Hein. Ensuite, donc vous allez encore retrouver des petits chats. Alors par contre, là, je pensais que c'était un petit peu plus gros. Ils sont tout petits. Donc 2,51€. Mais ils sont vraiment tout petits. C'est dommage. C'est dommage parce que j'aurais aimé qu'ils soient plus grands. Mais bon, pour des petites cartes, ça peut le faire. Donc ce sont des petits chats qui sont sur une barrière. Voilà. Et les découpes sont plutôt pas mal, hein. Franchement, ce sont des petites découpes, mais honnêtement, c'est super bien passé à la machine. Et en fait, le rendu est vraiment très bien. Donc, voilà, je vais tous vous les mettre. Alors, donc celui-ci, celui-ci, celui-ci. Donc, vous avez 6 découpes. Voilà, donc pour les petits chats, je vous les montre comme ça. Je vous les descends un petit peu, c'est peut-être trop près. Voilà, 6 découpes, vraiment magnifiques, trop mignonnes. Donc là, on a 2 chats, là, on en a 3, là, on en a 2, et puis donc, on a 3 barrières avec un seul chat. Voilà, ça peut faire une petite carte super sympa. Quand je les ai achetées, j'avais déjà une idée de carte avec un autre die que j'ai acheté. Donc, je vais tester tout ça, et puis je vous montrerai. Alors, soit en tuto, ou soit je vous les montrerai sur Instagram, je ne sais pas encore. Ensuite, j'ai acheté pour 2,52€ un die encore de bordure qui est vraiment très, très beau. Alors, le voici. Voilà, il y a encore un petit peu de papier coincé dedans. J'ai oublié de l'enlever. Qui se découpe super bien. Donc, il mesure 15 cm sur au plus grand, sur 7 cm. Et la découpe est magnifique. Donc, voici la découpe qui est comme ceci. Donc, vous pouvez la poser comme ça si vous voulez sur une carte ou vous pouvez faire un bord de carte dans ce sens-là. Voilà, donc sur l'exemple qui était montré sur AliExpress, vous aviez une découpe qui était dans ce sens-là et une autre découpe qui était dans l'autre sens sur une carte. Ça faisait vraiment un effet magnifique. Donc, voilà pourquoi j'ai craqué pour 2,52€. Franchement, hein, voilà, je vous cache pas que je suis plutôt satisfaite. Alors, une autre découpe bordure dentelle, donc pour 2,94€, c'est celle-ci, qui est très grande aussi, qui fait donc encore 15 par 8, qui se découpe super bien, voilà, sans aucun problème, malgré tous les petits détails. Et voici ce que donne la découpe. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très fin, il y a beaucoup de détails. Et moi, dans ma machine Mademoiselle Toga, je n'ai eu aucun problème pour découper. Ça se détache bien et voilà. Encore une bordure qui est au prix de 2,62€. Donc, c'est celle-ci qui mesure toujours 15 cm par 8,5 cm. Celle-ci aussi est très jolie. Voilà. Alors, il existe avec certaines découpes, la découpe qui est vendue à part, bien évidemment, pour faire la petite pochette. Donc ça, j'en ai commandé quelques-unes, je les attends. Et la découpe est magnifique. Voilà, encore une fois, vous avez vu, magnifique. On n'a pas besoin de mettre très cher dans des dies de bordure comme ça pour avoir de jolies choses. Il y a des dies qui coûtent hyper cher, 20-30€ pour faire exactement la même chose. Et là, 2,62€. Donc vous voyez, on peut se faire plaisir malgré tout en scrap, même si on n'a pas beaucoup de budget. C'est pour ça que moi, je privilégie beaucoup AliExpress. J'avais laissé tomber pendant un moment et puis j'y suis revenue. Et voilà, bon, moi, j'en suis contente. En plus, le site a changé, les méthodes d'expédition ont changé. C'est beaucoup plus sérieux qu'avant. Ensuite, donc, encore une bordure pour 1,87€. Alors, cette fois-ci, j'ai acheté une rose. C'est un die qu'on voit très, très souvent. J'ai une abonnée qui m'avait fait une carte, enfin une création avec ce die pendant mon concours des 10 000. Et j'avais dit, tiens, c'est marrant, je l'ai commandé ce die. Et ben j'avais pu voir grâce à elle le rendu.
Et du coup, je suis pas déçue du tout de l'avoir acheté. Donc, il mesure 11,5 sur, ouais, à peu près 5 cm. Et la découpe que l'on peut faire au bord d'une carte est sublime. Voilà, très belle rose. Ensuite, donc, encore un petit chat. Voilà, j'adore. Celui-ci, il est tout seul. Donc, pour 1,24€. Pour 1,24€, un chat qui est quand même assez grand, que j'aime beaucoup, qui mesure en hauteur. Alors, on va voir. Il mesure à peu près 10,5 cm, 11 cm. Très, très joli chat, souriant, avec sa petite tête qui penche sur le côté. Et la découpe est magnifique. Donc, je l'ai faite dans du mauve. Elle est vraiment très, très belle. Ça se découpe super bien. La queue ne bouge pas. Enfin, vraiment, il est vraiment sublime. Donc ça, c'est encore un gros coup de cœur. Donc je sais pas, je vous ai dit oui, pour 1,24€, je vous ai déjà dit le prix. Ensuite, j'ai acheté une petite bordure feuille, fleur, pour 1,89€. Alors là, par contre, je suis pas déçue, mais je le pensais un petit peu plus grand. Mais pour des cartes, ce sera juste parfait. Donc en fait, voilà. Et franchement, le design est très joli. Et la découpe, ça vous donne ceci. Voilà, donc découpe qui se fait parfaitement bien dans ma machine. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit, 1,89€. Ensuite, donc, dernier élément pour aujourd'hui. Hein. La vidéo n'est pas terminée, mais pour aujourd'hui, dernière chose que j'ai reçue. Donc, c'est un set d'ail et tampons. Avec toujours des petits chats, bien évidemment. Donc, je vous ai fait tous les modèles. Alors, je vais déjà les sortir de là. Pour pouvoir vous les montrer. Donc, les dailles sont à 3,92€ et le tampon à 3€. Donc, vous avez le tampon. Non, je ne peux pas vous le mettre sur du noir. Vous avez le tampon comme ça. Donc, ici, avec un chat qui joue avec une souris. Vous avez un chat avec sa petite pelote de laine. Vous avez un chat qui griffe le mur. Celui-ci, dans une boîte avec une petite, un petit sucre d'orge. Et puis là, on a l'autre chat avec un petit nœud au bout de la queue. Voilà, très très sympa comme tampon. Donc 3€ les tampons. Et j'ai les dailles aussi à 3,92€. Les dailles pour tous les tampons. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne en tamponnage et en découpe. Alors ne faites pas attention... Si les tamponnages ne sont pas bien dans les découpes, hein, j'ai fait ça rapidement pour pouvoir vous les montrer. Et puis, je vais vous montrer, j'ai fait une petite bêtise aussi. Mais bon, ça, c'est pas grave. Hein, depuis, j'ai détaché le die. Voilà. Donc, ce que ça donne. Ici, on a la petite pelote. Alors ici, vous avez vu le chat. Il y a la pelote de laine qui est ici. En fait, le truc, c'est que j'avais pas détaché le die du chat. Donc, ce qui fait qu'il y a la petite pelote de laine qui s'est détachée. Maintenant, j'ai détaché. Donc, sinon, le chat, ça vous donne ça. Hein. Voilà, donc, des très, très bons tampons qui se sont tamponnés sans aucun problème. Alors, j'ai pris de la Versafine, comme d'habitude, pour faire les tampons. J'ai pas eu besoin de trop forcer. Ça s'est fait nickel. Et puis, bon, au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les découpes pour voir ce que ça donne. Parce que des fois, vous savez, vous avez les dailles, et quand vous voulez mettre les tampons dessus, c'est à l'envers. Donc, je me suis dit, je vais faire les découpes d'abord et je vais tamponner après. C'est pour ça qu'à certains endroits, c'est mal tamponné. Mais voilà, franchement, j'adore. J'adore la tête des chats. Ils sont trop beaux. Alors, celui qui griffe, là, avec son petit air... t'as vu, je te griffe ton mur avec son petit air de vengeance. Là, je trouve ça trop mignon. Et puis, celui-là, là, qui est totalement surpris dans sa boîte. Non, franchement, ils sont trop, trop beaux. Ensuite, j'ai reçu pour 66 centimes des feuilles comme ça. Donc, 66 centimes le paquet. Dedans, vous avez 10 mètres. Alors, franchement, 66 centimes les 10 mètres, ça vaut le coup. Donc, ce sont des feuilles. Alors, désolé pour le bruit. Ce sont des feuilles comme ça qui sont faites donc en tissu. Et j'aime bien les mettre sur mes créations. Ça fait très nature, donc je vous montre d'un peu plus près. Hein. Désolée pour mes doigts. Hein. Voilà. Voilà.
Donc 66 centimes les 10 mètres. J'ai cette couleur là, marron. J'ai pris du rose. J'ai pris du bleu. Ah, ce bleu est magnifique. Alors je sais que des fleurs, c'est pas rose, c'est pas bleu, etc. Mais c'est pas grave, je m'en fiche. C'est pour mettre un petit peu partout, même dans les mini-albums. Des feuilles comme ça, roses, dans un mini-album bébé, je trouve que ça fait très joli aussi, hein, pourquoi pas. Des vertes comme ça. Alors ça, c'est un vert, en fait, ce vert-là me plaît pas trop. Mais bon, ça reste quand même super bien assorti avec le marron, par exemple. J'ai pris du vert comme ça, donc du vert un petit peu plus pâle. Et j'ai pris, bien évidemment, du violet. Voilà, sans le violet, moi, vous savez, c'est pas possible. Dans chaque article que j'achète de couleur, il me faut du violet. Donc 66 centimes le paquet de 10 mètres. Ensuite, donc, j'ai pris un superbe ciseau à 2,80€. Un ciseau qui, comme on l'entend, qui coupe apparemment très bien. J'ai pas de papier à côté de moi, c'est dommage. Bah, attendez, je vais prendre une enveloppe, par exemple. Voilà, vous voyez, il coupe super bien. C'est un ciseau de broderie et je le trouve vraiment super joli. Regardez ces détails, il est tout cuivré, il pèse un petit poids quand même. Et par contre, il mesure, alors je vais vous dire ça, il mesure 13 cm, donc il est quand même bien. Franchement, j'aime beaucoup. J'avais celui-ci, enfin, j'ai celui-ci que m'avait offert donc Sarah. Voilà, et j'aime beaucoup les ciseaux comme ça avec des détails. Et celui-ci est vraiment magnifique avec les fleurs. Je vous le remontre. Donc, tout ça, c'est couleur cuivre. C'est très joli. Voilà. Donc, 2,80€. Ensuite, donc, qu'est-ce que je peux vous montrer? Oui, je me suis commandé une règle, une petite règle de 15 cm. Parfois pour ma carterie, c'est juste la mesure qu'il me faut, du 15 cm, pas plus. Donc je l'ai payé 1,51€, voilà, elle est comme ça. Elle est vraiment toute petite. Et pour une petite carte, quand on veut prendre une mesure sur une petite carte, c'est toujours plus pratique d'avoir ce genre de règle que d'avoir cette grande règle qui prend de la place. Voilà, donc une petite règle, 15 cm, 1,51€. Ensuite, donc je remets ça là-dedans, mais de toute façon je vais très certainement l'enlever de dedans. Ensuite, j'ai pris des petites breloques coquillages pour faire un prochain mini-album avec un bijou d'album sur la mer. Donc là on a 10 coquillages pour 2,02€. Donc je vais essayer de vous les montrer comme ça. Donc c'est des petits coquillages en breloque en fer. Voilà, comme ça. Ah, donc, franchement, pour faire un mini-album, ce sera juste parfait. Ensuite, donc, on va passer à ce genre d'article. Donc, j'ai été très surprise. Alors, normalement, c'est vendu en 2 ou 5 pièces. Moi, c'était marqué quand j'ai fait ma commande que je recevrais, pardon, 2 pièces. Donc, c'est marqué 2 pièces, 1,65€ les 2 pièces. Ce sont des petits flacons avec des petits embouts de précision, mais en plastique, comme ceci, avec donc le petit capuchon en verre. C'est du 30 millilitres. Donc, 1,65€ les 2. Je me suis dit, bon, allez, j'en ai besoin pour quand je prends ma colle comme ça. J'ai les petits embouts comme ça de précision en fer, mais je voulais avoir un embout un tout petit peu plus gros de précision. Bon, ça, je vous avoue, j'en ai recommandé des comme ça. Ceux-là, je peux plus les ouvrir. Même si j'ai mis de l'eau chaude, je peux plus les ouvrir. Donc, j'en ai recommandé des comme ça, mais dans ce format-là. Et donc, j'en ai reçu pour ce prix-là 5. Voilà, donc bah j'étais plutôt contente. Voilà, pour le prix de 2, j'en ai eu 5. Du 30 millilitres, donc une grande contenance. Et puis, moi, ça va être spécifiquement pour mettre ma colle dedans, ma colle Patex. Et ben je vais en utiliser un, et puis les autres, je vais les mettre en stock hein, pour les garder. Voilà, tout simplement. Et maintenant, on va passer donc aux tampons et aux dailles. Alors, j'ai reçu pour 2,51€ ce die.
Donc c'est un die de bordure. Je sais pas, est-ce que j'aurais pas un papier plus grand pour vous montrer sur le blanc? Est-ce que vous allez voir? Oui, donc pour 2,51 €. Donc franchement, tous les dies que j'ai là, je les découpe super facilement avec ma machine. Et puis je vais vous montrer la découpe. Voilà, la découpe est comme ça. Très belle découpe. Alors ici, les cœurs qui ont été évidés, vous pouvez les récupérer et les remettre si vous le souhaitez. Donc ce qui peut être sympa, c'est de faire, admettons, la découpe dans un papier et puis refaire la découpe dans un autre papier pour garder les cœurs et puis combiner les deux en fait. Voilà. Donc ça, je vous montrerai ça. J'ai quelques petites idées de cartes, donc je vous montrerai tout ça. Et donc, en cadeau, j'ai eu un tout petit cadeau, vraiment tout petit. Mais bon, c'est vraiment sympa. Ça fait plaisir d'avoir des petits cadeaux. C'est très rare hein, sur AliExpress. J'ai eu ce die avec une colombe. Franchement, trop choupinette, la colombe. Voilà, donc la colombe de la paix. Vraiment très belle. Et j'ai fait la découpe. Alors, la découpe est faite en deux. Donc, d'un côté, on a la colombe. Et puis, de l'autre côté, on a les petites feuilles. Voilà, ah, j'arrive pas à les mettre. Donc voilà. Voilà la jolie petite colombe avec sa petite feuille, enfin ses petites feuilles ici. Très jolie. Donc franchement, merci beaucoup hein, au vendeur. Hein, ça me fait très plaisir. Enfin, il regardera pas ma vidéo, mais bon, ça fait toujours très plaisir d'avoir ce genre de petit cadeau. Ensuite, donc je vous ai dit le prix, hein, 2,51 €. Le die. Ensuite, j'ai pris pour 1,77 € un die avec dessus une chouette. Voilà, une petite chouette. Die qui se découpe super bien. Les détails sont vraiment super sympas. Donc, je la trouve vraiment trop mignonne. Ensuite, pour 2,10 €, donc j'ai pris ce die fenêtre avec dessus deux chats, et au milieu il y a une plante, et puis là on voit un petit peu de feuillage, donc les fenêtres sont ouvertes. Donc le chat, je pense que là il y en a un gros et un petit, je pense que c'est le mâle et la femelle. Donc voilà déjà le die, qui est quand même pas mal gros. Hein. Il fait, bah tiens, ça va me faire l'occasion de prendre ma règle à 15 cm. Il fait 10 cm sur 7,5 cm. Et la découpe, voilà, la découpe est comme ça. Donc là, j'ai oublié d'enlever un petit morceau, voilà. Donc la découpe est comme ça, très jolie découpe. Franchement, ça donne quelque chose de très joli. Ensuite, pour 1,95 €, j'ai pris celui-ci avec tous les cœurs. Donc pareil, hein, pour faire une bordure avec des cœurs. Ça dépend comment vous le découpez. La découpe, ça donne ceci. Et donc, vous voyez, ici, vous avez ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez enlever le surplus de papier. Et ça vous fait une très jolie découpe de bordure. Ensuite, donc 1,95 €. Je sais plus si je vous l'ai dit. Ensuite, j'ai pris un arbre pour 1,94 €. Il est très grand. Il mesure 10 sur 10 à peu près. Un arbre comme ça, avec donc les racines. Et voici la découpe qui est juste magnifique. Voilà, vous voyez, dans du papier noir, ça donne vraiment quelque chose de super beau. Ensuite, donc, j'ai pris des dies et des tampons. Alors, le lot des deux, 3,73 € les deux. J'ai les dies et j'ai les tampons. Donc, j'ai les tampons chat et les dies de découpe autour. Voilà, donc déjà, je vous montre un petit peu ce que ça donne les tampons chat. Alors, c'est trop joli, il y a il y a trois chats. Avec des étoiles, des cœurs, et il y a un petit oiseau perché sur le plus grand des chats et qui tient dans son petit bec une fleur. C'est trop mignon. J'essaie de vous le montrer d'un peu plus près. Voilà. Et j'ai donc fait la découpe avec
le tamponnage et ça donne ceci. Donc là, vous m'excuserez, l'oiseau n'est pas bien tamponné sur le haut. C'est parce que j'ai pas du tout mis d'encre. En fait, j'ai oublié de mettre de l'encre sur le haut. Donc voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça vraiment trop sympa. Il y avait vraiment des dailles et des tampons marrants et mignons sur AliExpress. Et j'aime beaucoup. Donc 3,73 € les deux, le daille et le tampon. Et puis ensuite, donc, dernière petite chose. Alors, pour 2,78 €, par contre, il m'en manque un. J'ai perdu un papillon. J'ai perdu un papillon. Bah, c'est pas grave. Donc, bon, il y aura un papillon en moins. Il a dû s'envoler. Non, il est là. Effectivement, il s'était envolé sous mon bureau. Donc j'ai pris un arrosoir avec, bon ici les papillons, il y a trois papillons, ils se détachent, hein, donc ça se détache. Un arrosoir avec à l'intérieur des fleurs, donc le die est comme ça, avec les petits papillons ici. Et la découpe est comme ça avec les papillons, donc les papillons sont tout petits. Alors un papillon... Et les deux autres, voilà, on va y arriver. Donc la découpe de l'arrosoir est comme ça, franchement superbe. Et les petits papillons, ils sont là. Donc les petits papillons sont vraiment minuscules. Hein. Franchement, il y en a un, il fait 1 cm et puis les deux autres, ils font 5 mm quoi. Voilà, à peu près 5-6 mm. Mais ils sont très jolis, ils sont très mignons. Voilà donc pour l'arrosoir.